This meeting is being recorded. Donc, le nombre de participants est en train de croître. On va attendre quelques secondes. Ça monte, ça monte. Nous sommes à 16. Allez, on va attaquer. Donc, bienvenue sur les webinaires by Gresotel. Donc, on reprend cette saison. Donc, sur une thématique qui est comment connaître et mettre en œuvre la réglementation relative au statut des établissements producteurs de denrées alimentaires d'origine animale. Nous accueillons trois intervenants et Irène, donc Irène que vous connaissez tous, animatrice Gresotel. Mais nous accueillons donc Cécile Ballon et M. David Hicham de la DGAL. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous accueillons aussi Yves Arnaud, qui est responsable donc, du pôle viande à l'EPL d'Auriac. Voilà pour les intervenants. Donc, je pense qu'on va donner la parole à Cécile. Mais avant de vous, du moins, ce webinaire, comme tous les autres, va être enregistré et vous pourrez le revoir sur la chaîne ADT Bucagri, comme vous le souhaitez. Donc, Cécile, vous pouvez démarrer. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Je laisse David partager. Je vais partager l'écran, effectivement. Hop, on est parti. Désolé, je n'ai pas là. Je n'ai pas le Ce n'est pas grave, c'est les joies du grain. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Donc, Cécile Ballon, je me présente chargée d'études à la DGAL, donc Direction Générale de l'Alimentation. Je travaille au bureau d'appui à la maîtrise des risques alimentaires avec donc David Hicham et j'ai en charge notamment le volet microbiologique. Avec mon collègue, nous allons donc vous faire différents points. Le premier point, c'est un focus sur les critères microbiologiques et la réglementation qui est applicable. Ensuite, nous passerons au statut des établissements producteurs de denrées alimentaires d'origine animale, l'étiquetage des denrées et enfin les ateliers collectifs. Donc, en ce qui concerne le focus critères microbiologiques, nous allons commencer par une évolution historique, puisque avant l'entrée en vigueur du paquet hygiène, donc au début des années 2000, nous avions un arrêté national qui s'appliquait uniquement en France, qui était l'arrêté du 21 décembre 1979, qui, si vous le souhaitez, est toujours disponible sur Internet, bien qu'il n'est plus applicable. Et vous pouvez voir dans cet arrêté que les critères qui étaient définis au niveau microbiologique étaient très larges. On avait une diversité de produits et de micro-organismes réglementés assez conséquents. Et donc, lorsque, au début des années 2000, le paquet hygiène est rentré en vigueur au niveau européen, on a eu un champ beaucoup plus restreint puisqu'il y a beaucoup moins de critères définis et beaucoup moins de denrées par rapport à l'arrêté qu'on avait précédemment au niveau national. Donc, au niveau du règlement 2073-2005, il définit donc certains critères en différenciant les critères de sécurité et les critères d'hygiène. Donc, pour rappel, les critères de sécurité, ce sont des critères où on va avoir une gestion sur la denrée concernée si on a un dépassement, donc soit un retrait rappel, généralement. Alors que sur les critères d'hygiène, si on a un dépassement, on a une gestion, mais au niveau de l'exploitant uniquement, donc il doit améliorer son procédé. Diapo suivant. Ça passe pas. Ouais. Donc, au niveau de la réglementation applicable, donc, le paquet hygiène, il définit l'exploitant comme le responsable des produits qu'il met sur le marché, et donc il doit s'assurer que ce qu'il met sur le marché et peut se faire en toute sécurité et ne rendra pas le consommateur malade. Donc, pour ce faire, il effectue une analyse des dangers et il définit donc dans son plan de maîtrise sanitaire les dangers et la façon dont il va maîtriser ces dangers tout au long de son procédé. Et donc, il définit également un plan d'autocontrôle qui vise à vérifier la maîtrise du procédé.
Donc là, c'est important de se souvenir du fait que les autocontrôles, ce n'est pas une garantie, comme on le verra après, et ce n'est pas non plus une mesure de gestion, c'est juste une vérification. Ce qui est le plus important, c'est de définir les dangers, de définir la manière dont on les gère. Donc, c'est le plan HACCP et les mesures de maîtrise. Et le plan d'autocontrôle, les autocontrôles sont juste là pour nous donner une indication si on maîtrise ou pas le procédé. Sachant que si, du coup, les autocontrôles sont non satisfaisants, il va falloir gérer le point qui pose problème. Et s'ils sont satisfaisants, comme on verra après, ça ne veut pas non plus dire que tout est sécurisé. Pour définir un plan d'autocontrôle, on peut s'aider, du coup, il y a évidemment les autocontrôles réglementaires, mais on peut s'aider pour ce qui est du reste des guides de bonne pratique d'hygiène. Donc, tous les guides de bonne pratique d'hygiène n'ont pas repris des autocontrôles, mais certains l'ont fait, comme le guide de bonne pratique d'hygiène port. L'application d'un guide de bonne pratique d'hygiène n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si vous ne suivez pas ce qui est défini dans un guide de bonne pratique d'hygiène, ce n'est pas grave. Néanmoins, cela facilite grandement la mise en place d'un plan d'autocontrôle et aussi l'analyse des dangers, puisque derrière, l'administration ne demande pas de justifier l'analyse des dangers qui aura été faite. Et concernant les durées de vie, bon, là, on ne parle pas de durée de vie, mais pareil, si vous définissez une durée de vie conformément à un guide de bonne pratique, il n'y a pas de justification à apporter. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique, même si l'application n'est pas obligatoire. Par ailleurs, les produits, ils peuvent être soumis à d'autres critères microbiologiques qui ne sont pas réglementaires, mais qui sont définis par des cahiers des charges spécifiques, notamment des cahiers des charges label ou distributeurs. Et donc là, on n'a pas donc d'obligation réglementaire. L'autorité compétente ne va pas sanctionner le fait de ne pas respecter ces critères microbiologiques. Néanmoins, ils sont obligatoires dans le sens où si les produits veulent être vendus dans tel ou tel débouché, il va falloir respecter ces critères microbiologiques. Diapo suivante. Et donc, enfin, un point important que j'ai un peu évoqué auparavant, c'est le fait que la seule pratique des contrôles microbiologiques ne peut pas peut conduire à une fausse impression de sécurité. Il faut savoir que on a des limites statistiques comme tout plan d'échantillonnage. Évidemment, si on teste tous les lots et tous les produits, on peut être sûr, mais personne ne fait ça, ça coûte bien trop cher. Donc, on établit un plan, on n'analyse que certains lots. Et donc, de fait, on a des limites statistiques qui fait que pour notamment les dangers qui présentent un risque inacceptable, notamment l'hystéria monocytogénèse, ou à des concentrations faibles ou à des prévalences faibles, du coup, l'exhaustivité du plan ne permet pas de garantir à 100% le fait que les aliments ne présentent aucun danger. Donc, c'est quelque chose à retenir. Plus on va faire d'analyse, plus on va avoir confiance dans le résultat du plan d'échantillonnage, et moins on en fait, moins on est sûr. Il y a des tableaux assez intéressants sur la marge d'erreur dans l'instruction qui est à l'écran, donc la DGL 2008-8009. Voilà pour le point focus sur les critères microbiologiques. Je passe la parole à mon collègue David Hicham pour la suite. Merci beaucoup Cécile. Donc moi je vais vous parler des autres parties. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les soulever dans le chat. Je ne les verrai pas forcément en direct, mais j'invite peut-être les collègues organisateurs à les signaler dans le chat pour qu'on puisse avoir un échange assez dynamique. Donc en ce qui concerne les différents statuts des établissements, il y en a plusieurs et précisément trois. Il y a tout d'abord l'établissement déclaré. L'établissement déclaré, c'est l'établissement qui va faire exclusivement de la remise directe finalement au consommateur final. Donc, par exemple, c'est le cas d'un boucher qui vendrait à une clientèle consommateur final, qui ne vendrait pas par contre à un autre établissement commerce de détail ou établissement en vue d'une remise sur le marché dans le cadre d'un commerce de détail. Donc, exclusivement une activité de commerce de détail qui nécessite, et ça c'est quelque chose pour lequel c'est important que vous soyez vigilant sur ce point-là, notamment dans le cas d'ateliers collectifs qui nécessitent une déclaration en fait de ces établissements.
Deuxième catégorie d'établissement, la catégorie qui est peut-être la plus maîtrisée en ce qui vous concerne, c'est la catégorie des établissements agréés. Un établissement agréé, quoi est-ce ? C'est un établissement donc, qui va manipuler, transformer, déconditionner, en tout cas qui va apporter des opérations pour lesquelles il y a une nécessité de maîtrise particulière en vue de céder en fait, les denrées alimentaires qui auront été traitées à un autre établissement, qu'il soit commerce de détail ou établissement intermédiaire. Donc, il y a au moins un commerce intermédiaire. Et par rapport à la troisième catégorie dont je vous parlerai plus tard, il y a aussi des conditions de volume. Si on n'excède pas certaines conditions de volume, on passera dans le cadre de la dérogation, j'y viendrai. Un point qui est extrêmement important, c'est qu'un agrément, il va couvrir une ou plusieurs activités, il va être relatif à un établissement et porté par un seul exploitant. Et ça, c'est important aussi dans le cadre des ateliers collectifs où l'agrément qui est finalement à l'échelle de l'établissement sera porté par un responsable. On y viendra par la suite. Voilà. Troisième catégorie d'établissement, donc on va avoir l'établissement un peu intermédiaire, c'est l'établissement qui va effectuer cette activité finalement de commerce de détail, mais également cette activité de cession à un autre établissement commerce de détail ou un établissement intermédiaire. Pour le moins, ça va être l'établissement dérogataire. On peut prendre l'exemple, par exemple, du traiteur qui vendrait une partie de sa production à une restauration collective. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une activité qui est dite marginale localisée restreinte, donc marginale en faible quantité par rapport à la production globale, activité restreinte, faible quantité dans l'absolu, et localisée, donc il y a des rayons, soit 80, soit 200 km, en fait, en fonction du territoire dans lequel vous allez vous situer. Dans les zones à contraintes spécifiques, donc zones de montagne notamment, on va avoir une extension à 200 km, là où en ville, on sera plutôt à 80 autour, en fait, de l'établissement. Et les établissements, quels qu'ils soient, devront se situer donc dans ce rayon des 80 km. Donc voilà. Bon, je pense que vous n'allez pas pouvoir répondre à la question, je ne sais pas comment fonctionne le système de chat, mais j'ai une question sur laquelle on peut réfléchir, c'est, on va prendre l'exemple d'une cantine de lycée agricole, un atelier de lycée agricole, qui produirait des fromages blancs destinés à être servis au repas de la cantine de cet établissement. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est de quel statut devrait-il disposer pour réaliser cette activité ? Est-ce qu'il devrait être déclaré, agréé ou dérogateur ? Alors, possiblement les trois, en fait. Oui. Je vais essayer de permettre de parler à certains s'ils veulent répondre. Là, ou alors ils se manifestent dans le chat ou dans QR, il y a une question. Ah, c'est Marie-Pierre Angelbert qui répond avec un petit émoticône et qui dit que ça doit être OK. Agréé CE 42. Possiblement les trois, finalement, oui. Alors, ça dépend exactement de la notion de SIRET. Le SIRET, c'est la notion de base en fait qui va caractériser en fait l'établissement en fait. Si dans la plupart des cas l'atelier n'est pas sur le même SIRET, on va être soit dans le système agréé ou dérogataire à l'obligation d'agrément. La question qui va se poser par la suite, c'est la question en fait des volumes qui vont être traités en fait. L'arrêté du 8 juin 2006 finalement fixe des seuils en fait de volume au-delà desquels ou en dessous desquels un agrément ne sera pas forcément rendu nécessaire. Donc là vraiment, si on est dans le cadre de SIRET, on est sur un commerce entre deux établissements distincts, à la fois l'atelier du lycée agricole et la cantine, ce qui nécessitera donc soit de disposer d'une dérogation, soit d'un agrément en fonction des volumes. Moi, je partirais plutôt sur la partie dérogataire parce que on va être vraiment sur des volumes qui vont être assez restreints, en fait, et qui ne nécessiteront pas justement de partir sur un système d'agrément. Après, voilà, c'est une situation qui va s'évaluer, au cas par cas, mais sur le principe, c'est une question que vous devez vous poser. SIRET, volume. Et sur cette base-ci, vous allez pouvoir justement pouvoir vous positionner, en fait, au regard du statut de votre établissement. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Non. En tout cas, vous avez raison. Voilà. Je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Génial. Voilà.
Maintenant, excusez-moi une seconde, vous avez possibilité d'intervenir, hein, je vous ai mis. Ah oui, oui. Vous avez parlé. Prenez bon. La parole, soyez libre. Moi, je ne vous vois pas le signaler. N'attendez pas forcément que je vous passe la parole parce que je ne vous verrai pas. Voilà. Donc, maintenant, passons à la question de l'étiquetage des denrées. Donc, on va être dans le cas, on va prendre le cas d'un atelier collectif, ce qui va être le cas le plus diversifié. Dans le cas d'un atelier collectif, si on envisage un étiquetage des denrées, hop, ça passe, on peut tout à fait utiliser la raison sociale de chaque utilisateur qui peut être apposée sur le produit. Par contre, on va être dans le cas d'un établissement qui va être agréé, là pour le coup. Au regard de la diversité des activités qui permettra difficilement en fait, d'envisager un système non agréé. En fait. C'est surtout pour ça. Et même si la raison sociale peut être celle de chaque utilisateur, la marque d'identification, c'est-à-dire la marque ovale, devra nécessairement être celle de l'atelier collectif et devra être apposée impérativement avant que les produits ne quittent l'établissement et ce, de façon indélébile. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter finalement un risque de fraude, de falsification. La marque d'identification, c'est vraiment votre signature. C'est celle qui garante, enfin celle qui matérialise en fait la sécurité et le soin que vous allez apporter à la maîtrise des process en fait. Donc elle est vraiment apposée avant que les produits ne quittent les établissements. Mais voilà, ça c'est à vous parce qu'il y a des questions qui sont posées des fois de savoir est-ce que les produits peuvent être justement transvasés pour un établissement atelier collectif vers l'atelier du coup de la personne qui réalise la notion de transformation au sein de l'atelier collectif du coup dans son atelier en propre, là où lui de son côté pourrait mettre en place les étiquettes, notamment porteuses de l'estampille de la marque de salubrité, hors de question. Vraiment, c'est aller apposer avant que les produits ne quittent l'établissement. Et votre établissement, c'est l'atelier collectif. Excuse-moi, il y a Marie Provost qui a une question. Bonjour à tous, vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, Marie. Alors, moi, j'ai une question, parce que nous, ça nous concerne à Bressuire. On a appris au mois de mars qu'on était considéré comme un atelier collectif. Parce que des agriculteurs qui viennent aussi transformer dans nos ateliers. Oui. Et nous, ce qu'on faisait, c'est que nos agriculteurs partaient avec leur verrine un peu à l'identique de ce qu'on voit sur la photo, avec la marque de salubrité, le numéro du lot et la date de péremption. Et justement, est venue cette idée de procéder à l'étiquetage, parce qu'on nous a dit avant qu'ils partent. Est-ce que c'est nécessaire ou juste la marque d'identification, c'est suffisant avec le numéro de lot ? Parce que nous, on a multiples agriculteurs qui ont des multiples références. Sur leurs étiquettes, ils n'ont pas la marque de salubrité puisque nous, elle est apposée sur le couvercle. Est-ce que les produits doivent impérativement être étiquetés chez nous avant que les produits partent ? Très bonne question. Très bonne question qui, justement, nous a fait pas mal discuter, nous, au niveau en interne à la DGL, pour le courant de cette semaine. En fait, on se base sur l'article 8 du règlement INCO. L'article 8 du règlement INCO, en fait, il va spécifier en fait, comment l'information qui est rendue obligatoire par ce règlement INCO doit être apposée. Et rien n'oblige, en fait, concrètement, à étiqueter sur le lieu de réalisation de l'activité dans ce cadre particulier en fait. Ce qui est obligatoire, donc c'est l'estampille. Par contre, du coup, il faut que cet exploitant garantisse la traçabilité en fait de ses productions. Oui, parce que nous, notre cas, en fait, c'est qu'on fournit à nos exploitants un bon de livraison dans lequel ils ont le nombre d'unités, le nom du produit, le numéro du lot, il y a l'identification de l'exploitant. Et en fait, on a retrouvé le règlement d'exécution, le 931-2011, règlement d'exécution qui stipule un petit peu tout ça. En fait. Oui, ça, c'est la traça. Oui, c'est au niveau de la traça et de l'expédition des produits sortis de l'atelier. Voilà, c'est ça. Vous assurez une maîtrise de la traça en vertu de ces dispositions. Mm-hmm. C'est un peu disjoint, en fait, de la notion d'étiquetage et de l'information qui est portée au niveau du consommateur. Donc, est-ce que l'exploitant peut porter dans son atelier propre l'étiquetage, la réponse est oui, sous réserve justement qu'il assure la maîtrise de cette traçabilité en fait. D'accord.
en tant qu'exploitant de la chaîne alimentaire. Voilà. Mais vraiment, le cas des verrines, le cas des conserves, c'est vraiment un cas un peu spécifique, parce que dans la plupart des cas, quand même, on aura une grande étiquette, notamment les produits mis sous vide, on aura une étiquette sur laquelle il y aura l'ensemble d'informations, y compris la marque d'identification de l'atelier collectif. Et là, la question ne se pose pas. Oui, c'est le cas des conserves et des produits de salaison. Voilà. C'est ça. Mais du coup, voilà en tout cas la position de notre côté qu'on adopte. D'accord, merci. Je vous en prie. Ah, s'il y a d'autres questions sur le sujet, sinon j'embraye sur la partie suivante. J'en vois pas. Bon, on continue. Maintenant, passons à la question des ateliers collectifs. Donc, qu'est-ce qu'un atelier collectif? En fait, il n'y a pas de définition réglementaire d'un atelier collectif. Un atelier collectif, ça va être un local qui va être mis en commun par plusieurs exploitants, à ne pas confondre avec des salariés. Et c'est là où justement l'intervenante précédente de Bressuire a tout juste. Hein. On est sur des exploitants différents. Donc, dans ce cadre-ci, on est considéré comme atelier collectif parce qu'on a des CRED différents et que derrière, c'est une mise en commun. En fait, c'est une mise en commun d'un local, en fait, avec plusieurs exploitants qui vont réaliser une ou plusieurs activités. Ça va dépendre. Excusez-moi, est-ce que je peux réintervenir? Je suis encore Marie Provost de Bressuire. Nous, oui. On n'a qu'un numéro de CRED et c'est juste les agriculteurs qui viennent chez nous et qui repartent avec leurs produits. Mais eux, de leur côté, ont un numéro de CRED. Oui, c'est des exploitants agricoles après. Ah, voilà. D'accord, donc ça, on est dans ce cas-là. Ouais, oui, c'est exactement ça. Ok, merci. Et ils vont réaliser une ou plusieurs activités. Donc, en fait, un atelier collectif, réglementairement, ce n'est pas défini, mais c'est un mode de fonctionnement qui est associé à des obligations qui, elles, sont définies dans l'arrêté du 8 juin 2006. Et parmi ces différentes obligations, vous allez avoir notamment la présence d'un règlement intérieur à ne pas confondre avec le règlement intérieur de l'établissement, ça s'appelle pareil, mais c'est pas pareil, et qui va définir en fait les conditions d'organisation et le fonctionnement et les règles en fait de fonctionnement de vivre ensemble et de maîtrise en fait des risques sanitaires entre les différents exploitants au sein de cette structure collective. Et c'est un document extrêmement important qui est partie constitutive intégrante du dossier d'agrément de votre établissement, donc qui devrait être mis à jour finalement aussi fréquemment que nécessaire. Un atelier collectif, c'est quoi? C'est donc un atelier pour lequel on va avoir désignation d'un responsable qui va lui être responsable de la mise en œuvre des activités donc dans ces locaux. Et ce que je disais, c'est qu'on peut avoir plusieurs exploitants, c'est ni des salariés, c'est ni des étudiants, c'est des exploitants du secteur alimentaire auxquels vont être finalement associés des obligations, et j'y reviendrai par la suite. Parce que Marie-Pierre de Rodez aurait une question. Oui. Voilà, c'est par rapport à la... Bonjour à tous. Par rapport au vocabulaire, règlement intérieur, moi, je me suis fait reprendre quand j'ai voulu actualiser le règlement de l'atelier, parce que je me suis fait reprendre par l'inspection de l'enseignement agricole avec l'inspection des ateliers en me disant que le règlement intérieur, il est vraiment consacré au règlement intérieur du LECTA. Et donc, nous, on appelle notre règlement intérieur d'atelier règlement de fonctionnement. Voilà. Alors, c'était juste une remarque, mais je sais on doit jouer entre les obligations de la DGAL et celles de la DGER. Disons que réglementairement, enfin, en tout cas dans l'arrêté du 8 juin 2006, on parle de règlement intérieur. Après, vous l'appelez comme vous voulez, très honnêtement, tant qu'il existe, qu'il est actualisé et qu'il est maîtrisé, vous pourriez l'appeler Jean-Pierre aussi. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il soit fonctionnel, en fait. OK. Voilà, c'est ça qui nous importe le plus. Mais effectivement, je sais que c'est un sujet qu'on avait eu. Peut-être vous étiez là à Paris quand on avait échangé avec les référents lycées agricoles. Mais effectivement, on a conscience de cette petite subtilité avec l'enseignement, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, je vous avais fait part de cette remarque. C'était vous, moi, je me souviens. Bon. Et du coup, je vois que Brigitte Elvers précise, dans le même cas que Marie, nous considérons que nous faisons de la prestation des services et pas
que nous sommes un atelier collectif. Le client repart avec notre numéro d'agrément car il nous délègue la stérilisation. Ça va dépendre de qui réalise les opérations, en fait. Si c'est du personnel du lycée agricole qui réalise, enfin de l'établissement en tout cas, qui réalise cette prestation, oui, c'est une prestation de service. Si en revanche, le client prend parti d'une façon de près ou de loin à ses opérations, on passe quand même sur de l'atelier collectif. Alors, j'ai le micro, je complète. Effectivement, le client vient dans l'atelier, il réalise ses cuissons, c'est pour des plats cuisinés et c'est nous qui faisons l'empotage et la stérilisation. Et les salariés sont présents pendant qu'il fait sa production et on gère la traçabilité matière. Ouais. Ben, vous êtes atelier collectif, en fait. Mince. Atelier collectif parce que justement, il réalise des opérations. En fait, c'est le point qu'il faut prendre en compte. D'accord. Non. Mais ça, c'est aussi une discussion. C'est une discussion qui n'avait pas été. Enfin, qui avait aussi posé pas mal. Enfin, qui avait créé pas mal de discussions, en fait, cette situation. Et je pense que Marie-Pierre de Rodez s'en souvient aussi. On en avait pas mal parlé à Paris. Et effectivement, notre point de vue, c'est dès lors qu'il effectue des opérations, atelier collectif. Oui, enfin à Rodez, on est dans la même situation que Brigitte Elverst. En fait, mais qu'est-ce que ça change au fond on considère que l'échange que l'on a entre le client et nous, c'est une prestation parce que on vérifie tout ce qui est point critique, on accompagne le producteur. C'est nous qui avons la maîtrise, donc c'est nous qui avons la maîtrise du produit dès l'instant où il arrive, les matières arrivent chez nous et elles repartent en produit fini. Dès lors. Donc ça veut dire que nous on a la responsabilité. Le terme atelier collectif, oui, on accueille plusieurs exploitants, on les sépare, ils sont séparés. Voilà. Est-ce que ça a une conséquence sur quel agrément sanitaire je mets sur la verrine ou le bocal? On va y revenir, ça fait l'objet de des diapos qui suivent, mais dès lors qu'ils participent aux opérations, indirectement, vous leur déléguez une partie de la maîtrise des risques sanitaires, en fait. Non. Et donc, du coup, on passe en atelier collectif. Ah. Voilà. OK. Yes. Bon, la suite, parce qu'on le temps presse. Donc du coup voilà, une technologie dont on ne plaît pas peut être atelier collectif et qu'il faut définir son mode de fonctionnement. Je passe. Dans un établissement de ce type, il y a donc un responsable désigné qui apparaît dans le règlement intérieur, qui va mettre en place et vérifier le bon fonctionnement de ce règlement intérieur et qui, en cas de dysfonctionnement, pourra prendre des mesures, notamment de sanctions envers les utilisateurs de cet atelier collectif. En pratique, ça va être le directeur d'établissement qui sera le responsable de cet atelier et il y aura un responsable d'atelier. Et on va partir dans la plupart des situations d'exploitants qui vont travailler de façon simultanée dans les locaux. Voilà. Un exploitant, donc, c'est ni un salarié ni un associé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il est responsable de la sécurité des produits qu'il met sur le marché. Voilà. Il va être en tout cas co-responsable, en tout cas avec responsable de l'atelier collectif. Une question qui avait été posée lors de la préparation à cette intervention, c'était la suivante. Est-ce que je peux ouvrir la porte de mon atelier collectif sans présence d'un salarié du milieu agricole? Je ne sais pas si certains d'entre vous sont confrontés à cette situation. Bon. A priori, personne. Bon. Pour autant, ce n'est pas interdit pour autant, mais j'y reviens toujours. Hein. C'est la question de la réponse. Patrick Pesé à Villefranche de Rouergue, oui, nous on a ce cas-là aussi, effectivement, où on réalise la prestation totale. Non, c'était l'inverse. Non, c'est le cas où, si jamais, il n'y a pas de personne du lycée, il n'y a pas d'agent du lycée. Alors, on avait ça, on a les deux, on avait ça aussi, donc au vu des risques, ouais, on a supprimé. Parce qu'il n'y a pas très longtemps encore où, effectivement, on assurait la formation, l'encadrement. Un certain temps, c'était des ateliers relais avec des accords chambre d'agriculture. Et ensuite, on laissait en autonomie avec juste une surveillance de la traça et puis une surveillance, je dirais, aléatoire.
Bon, ouais. Là, ça on a arrêté un peu trop risqué, quoi. Bah justement, vous avez répondu à la question que je... Vous avez parfaitement répondu à la question. Effectivement, rien ne l'interdit. Rien ne l'interdit, par contre, s'il y a un constat de manquement, la responsabilité, finalement, elle est portée par... notamment, en tout cas, par le responsable de l'établissement en question. Et donc, s'il y a un constat de manquement, l'inspection, le rapport d'inspection, les suites administratives et pénales seront envoyées au responsable et le rapport d'inspection sera également envoyé à l'utilisateur défaillant. Mais finalement, on est passible potentiellement d'une suspension d'agrément ou d'arrêt d'activité en fait, si l'établissement n'est pas agréé. Donc, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est conseillé? Pas trop, en fait. Ce n'est pas forcément un mode de fonctionnement qui a du sens pour nous. Parce qu'on considère que voilà, c'est le responsable de l'établissement qui va être responsable de la maîtrise et qui, de ce fait, doit permettre d'assurer en tout cas la supervision des productions qui sont réalisées. Donc, voilà. Donc, ce règlement intérieur, on en parlait, hein. Donc, il va contenir une procédure de gestion de non-conformité. Un point important aussi, c'est la transparence sur les résultats d'autocontrôle. Votre usager d'ateliers collectifs, il va potentiellement, dans le cadre de son PMS, réaliser des autocontrôles qui seront favorables ou qui ne le seront pas. Et si justement les autocontrôles sont défavorables, le règlement doit impérativement contenir le fait que en cas d'autocontrôle défavorable, transmission systématique sans délai à l'exploitant de l'établissement collectif. Pourquoi ? Parce que notamment, on va partir sur un exemple de listeria monocytogenèse dans un séchoir à saucisson ou dans une cave d'affinage de fromage. Potentiellement, c'est une problématique environnementale qui peut se retrouver auprès d'autres exploitants et on peut déboucher dans une situation d'alerte. Donc vraiment, il faut insister sur cette transmission sans délai de l'information donc de l'usager de l'atelier collectif au responsable, qui lui, après, dans son PMS, doit avoir prévu les mesures de maîtrise pour assurer la communication au sein des autres opérateurs. Je vois que Marie Provost lève la main. Oui, j'ai une question. Nous, dans notre cas, mais je pense que c'est le cas dans plein d'autres ateliers, c'est nous qui assurons tous les autocontrôles et les autocontrôles notamment bactériaux. Du coup, ils n'ont pas forcément obligation de nous se transmettre parce que nous, nos agriculteurs, ils ne font pas ce travail-là. C'est nous qui centralisons tout. Ça va dépendre. En fait, s'il y a des transformations ultérieures, c'est souvent dans des cas comme ça. S'il y a une transformation ultérieure, en fait, il y a deux solutions. Soit le résultat défavorable est venu pendant la transformation, soit il est antérieur à la transformation. C'est quelque chose qu'on va devoir systématiquement se poser. Et si les conclusions montrent que c'est antérieur à cette transformation, potentiellement, ça peut être issu de l'atelier collectif, en fait. Donc voilà, on pourrait prendre l'Hystéria mono dans ces séchoirs à saucisson et puis après, il va faire sa découpe, admettons, pour la vendre, on va dire, je dis n'importe quoi, en l'état, mis sous vide, peu importe. Il fait sa détection à ce niveau-là. La question, ça peut très bien être au niveau de son process à lui ou ça peut être en amont. Donc voilà, c'est tout ce que l'opérateur doit se poser comme question, en fait, pour justement réussir à lever l'incertitude. Voilà. Et dernier point qui est très important aussi, c'est que le règlement intérieur, et je disais que vous avez la responsabilité en tant qu'exploitant responsable de ces ateliers collectifs, doit définir les règles d'entrée et de sortie, les règles d'exclusion d'un exploitant qui, justement, ne mettrait pas en place les conditions qui sont convenues dans le règlement intérieur. Ou le règlement de fonctionnement de l'établissement. Voilà. Ça permet vraiment de prendre des mesures contre un exploitant qui mettrait finalement en péril votre agrément sanitaire. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, un dossier d'agrément, donc, vous le savez, est tenu à jour. Le règlement intérieur fait partie du dossier d'agrément, donc logiquement, le règlement intérieur est tenu à jour. Et notamment, toute modification du fonctionnement doit être, toute modification, toute entrée, toute sortie des exploitants doit être actualisée dans ce règlement intérieur. Voilà. On parlait des différents statuts que l'on pouvait avoir au niveau de ces ateliers collectifs. On peut avoir soit des activités qui sont séparées dans l'espace ou dans le temps.
auquel cas les activités peuvent être agréées ou non agréées, et chaque exploitant peut être titulaire de son propre agrément sanitaire. Ça, c'est des quand je parle de spécificité liée à la délivrance de l'agrément, où les activités peuvent être exercées simultanément par plusieurs exploitants dans des locaux communs. Donc, on va avoir vraiment les circuits qui vont s'entrecroiser. Et donc, dans ce cadre-ci, on va avoir des activités qui devront être titulaires du même statut sanitaire. Et dans ce cas-ci, en pratique, ça va être le cas le plus fréquent, on aura un agrément unique qui sera délivré au directeur de l'établissement. Donc, pour conclure, parce que le temps passe vite, mine de rien, parmi les points importants sur lesquels je voulais attirer votre attention, donc voilà, c'est le respect de ce règlement intérieur, notamment pour tout ce qui est utilisateur ponctuel de l'atelier. Il faut également vérifier quand vous accueillez un utilisateur à son statut, qu'il soit bien effectivement déclaré. Vous pouvez lui demander une copie de son formulaire de déclaration auprès de la DDPP. Quand je vous parlais des trois statuts, c'est le statut qui les concernera plus tôt. Il faut aussi, et c'est ce que disait le collègue de Cavaillon, je crois, veiller à l'encadrement de l'atelier collectif, y compris pendant la période estivale. Il est quand même très fortement conseillé à ce qu'il y ait quelqu'un qui supervise l'utilisation de ces locaux collectifs. Toute cette question de prestation de service, justement, où toutes ces questions d'usage en tant qu'atelier collectif doivent faire l'objet d'une actualisation du PMS en tant que de besoin. Donc voilà. Et j'en finis avec la petite note de service que vous n'êtes pas sans connaître, qui insiste sur votre rôle, vous, en tant que formateur de futurs exploitants du secteur alimentaire, sur les objectifs d'exemplarité pour justement un peu perpétuer les bonnes pratiques auprès des apprenants. Voilà. Merci David. Alors, s'il y a des questions, on peut en prendre encore. On peut en prendre, sinon il y a par mail, hein, ça marcherait bien aussi. Mon mail s'affiche sur la diapo. Ben, on va laisser la parole à Yves, donc responsable du pôle viande d'Aurillac. Yves, tu nous entends? Et j'arrête le temps. Ok, bonjour tout le monde. Juste, voilà, c'est simplement une mise en pratique de tout ça dans notre établissement. Donc sur la partie, puisqu'on a la même chose sur la partie fromagerie, sur la partie viande, nous avons une centaine de producteurs qui utilisent notre atelier par année. Par principe, on ne fait pas de prestations de service, ou vraiment exceptionnellement. On est vraiment dans un cas d'atelier collectif où tout producteur qui demande nos services doit participer, plus ou moins, mais en tout cas doit être présent durant la transformation. Ensuite, la particularité aussi, c'est qu'on ne prend pas des producteurs, je dirais, sur une durée illimitée. Comme on a beaucoup de demandes, on va prendre les producteurs, on n'a jamais mis personne dehors, mais un certain temps. Et l'objectif, c'est que ces producteurs, qui viennent un petit peu des quatre coins de la France chez nous, à terme, intègrent soit un atelier collectif vers chez eux, soit qu'ils montent leur propre atelier. Et du coup, on a tout un travail d'accompagnement derrière, de la conception de l'atelier, du choix des statuts sanitaires, des aspects matériels, des aspects technologiques, etc. Donc ça, voilà, c'est un peu notre spécificité. Ensuite, à partir du moment où il y a un producteur, il est associé à un technicien de l'atelier. Il y a un bon travail qui est signé, qui est co-signé à la fin par un des techniciens. Donc, on a la responsabilité du technicien qui va producteur aussi sur sa transformation. Parfois, on fait une petite présentation rapide. Première chose, souvent, c'est nous qui leur faisons même leur remplissons le CERFA de 13984. Et alors, pour les cantaliers, on l'envoie directement ou pour les autres, ils l'envoient dans leur propre DDPP. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on leur fait signer, on leur présente, on leur fait signer le règlement intérieur. Et ce que l'on fait, pas systématiquement hein, dans la semaine, mais au moins deux fois par an, on va regrouper tous les nouveaux et on fait deux sessions de formation hygiène alimentaire. Donc, ça leur fait leur formation obligatoire. Et puis, il y a une partie adaptée aux pratiques de notre atelier. Où là, ça permet de bien insister, de bien dérouler sur
le règlement intérieur et puis de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser, comme les histoires d'étiquetage, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est à qui ils peuvent vendre, dans quelles conditions, enfin, voilà, tout ce qu'on a pu voir auparavant. Donc, ça se passe relativement bien. Certains sont un peu surpris. Ils nous disent, ouais, mais nous, on pensait qu'on allait amener les produits, on n'allait rien faire, on n'avait rien à faire et on repartait avec tout. Ben, dans ce cas-là, non, on ne les prend pas. Et voilà, c'est vraiment les impliquer, que ce soit au niveau techno, au niveau pratique et au niveau sanitaire, à leur préparation. Ensuite, voilà un petit peu rapidement pour notre présentation. Comme le disait une collègue tout à l'heure, bah effectivement, sur les autocontrôles, c'est nous qui faisons les autocontrôles. Donc, bah c'est vrai, quand il y a un souci, c'est nous qui avons le résultat. C'est plutôt nous qui en informons le producteur que le producteur qui nous en informe. Et puis, bah effectivement, hein, plus généralement, c'est vrai que les ateliers d'établissement d'enseignement agricole on était dans aucune case, quoi, donc ça pouvait laisser un peu le flou. Aujourd'hui, ben, on a le mérite d'être dans une case, avec en particulier l'instruction technique du 25 avril là, 2022. Voilà, moi je pense que c'est vrai que de laisser un atelier sans personne dedans, sans technicien, juste donner les clés à des producteurs, je pense que c'est quand même prendre des risques, ça c'est sûr. Même en étant là, même en encadrant, ce n'est pas toujours évident. Nous, je pensais que ça n'arriverait jamais dans ma carrière. Il y a 3 ans maintenant, pour la première fois, nous avons exclu une productrice de l'atelier. Après, toutes les procédures qu'on pouvait faire d'avertissement, de recommander, de ceci. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Mais sur des centaines qui sont passées, ça ne s'est jamais passé. Mais voilà, comme quoi, ça peut aussi arriver. Et c'est vrai que c'est l'intérêt du collectif de mutualiser, mais ça peut mutualiser dans le mauvais sens, et s'il y en a un qui fait n'importe quoi, ça peut plomber tout le monde, et y compris l'établissement. Alors après, pour les collègues, nous, on a quelque chose qui peut nous rassurer, j'espère que nos directeurs n'écoutent pas, pour la plaisanterie, c'est quand même le directeur général de l'EPL qui est responsable. Voilà pour cette petite présentation. Vous avez des questions? S'il y a des questions aussi. Alors, il y en a une là. De Marie-Pierre, est-ce que tu veux la poser? Ah non, là, c'est un peu indiscret, Marie-Pierre. Non, c'est une plaisanterie. Je voudrais avoir le nom de la productrice après qu'elle ne se présente pas à Rodez. Ah, c'est... Ouais, ça sera un aparté. On va en aparté tous les deux. Hein. Ah, je te rassure, elle était plutôt nord-Cantal que sud-Cantal. D'accord, très bien. Elle ira à Saint-Flour. Je crois pas. Je crois pas qu'on ait intégré une personne comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions? Oui, ou d'autres commentaires ou échos par rapport aux situations qui ont pu être exposées aussi? Donc, tout roule comme il faut? Tout roule comme il faut. Ça, je pense que ça a permis quand même de bien clarifier les choses. Parce qu'il y a beaucoup de DAT donc dans la liste là, donc vous devez tous vous connaître, ça je pense que oui. Voilà, et donc vous avez été tous OK au fait de ce que vous avez raconté, Jason. Et le complément, donc d'Auriac. Hervé, excuse-moi, je suis mauvaise élève. Le diapo, on va le recevoir ou pas? Alors, Marie, toi qui es une bonne élève, qui en fait quelques... Oui, vous allez tous les recevoir sur la chaîne ADT Educagri. On pourra, comme vous n'êtes pas nombreux, on peut tous vous les renvoyer. Mais à la fois, et le webinaire et les diaporamas sont sur la chaîne, du moins sur le site adt.educagri. Mais on vous le renverra, on te le renverra personnellement. Oui, je veux bien, s'il te plaît, Hervé. Merci. Il n'y a pas d'autres interventions.
Donc, on va en rester là. Juste pour vous dire que le prochain webinaire sera le 18 novembre, puisque le 11 est en férié. Donc, ça va porter sur les haies dans l'enseignement agricole. C'est quel plan de gestion des exploitations favorables aux transitions et à l'agroécologie. Donc, on vous retrouve le 18 novembre et on vous souhaite bon appétit. Merci. Et merci aux intervenants. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.